Et bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 5 de contrôle. On reprend là où s'était arrêté, enfin pas tout à fait, puisqu'en fait j'ai réussi du coup par rapport à l'épisode précédent à trouver où est la salle de contrôle. En fait, il fallait juste aller ici. Il y a un panneau qui t'indique la salle de contrôle du RSN. Du coup, on va s'y rendre tout de suite et on va voir ce que ça nous dit, ce que ça nous fait, etc. Voilà. Allez, c'est parti. Salle de commande du RSN. C'est quoi, c'est quoi? Bon, pour la outline, on regardera ça du coup, épisode 6. Donc, moi, ça, je sais pas du tout. J'enregistre depuis épisode 3 en continu. Je sais pas du tout si vous voulez voir les vidéos de la outline. Donc, donc je verrai si pour l'épisode 6, du coup. Si vous voulez les regarder. Ok, on est donc dans la salle de commande du RSN. Donc vous amis, c'est parti. Et n'oubliez pas, on devait parler aussi à... On devait parler à l'autre dans la salle de... Dans cette petite salle, je sais pas. Je sais plus comment il s'appelle le gars. En vrai, vous savez qui je parle, je pense. On devait lui parler... Enfin, on devait lui parler. On doit lui parler plutôt pour avoir un petit partie complémentaire, un petit log sympa. Bah, dommage de passer à côté. Ah! Il est mort. Ok, nice. Parfait. Parfait, parfait. Allez, on va purifier ce mode contrôle. C'est parti. Ça, tu commandes le RSN, tu le dis. De les protéger. Ok, nice. Force emprisonnée. Le verrouillage. Peut-être le. Ah, merde, j'aurais pas dû plier. Désolé. On aura pas su de ce que nous disait Trench. Ah d'accord, donc là ça débloque l'ascenseur dans l'épisode précédent, je ne peux pas accéder. J'ai juste accès au sol. Ah oui, c'est de plus en plus grand. Très très bien. Voilà, les autres secteurs devraient être accessibles. Très très bien. Et là du coup j'imagine... Je crois qu'il est temps de dire à Emily pourquoi je suis là. Je prends le risque. Faut qu'on retourne faire connaissance tous les deux. On doit retourner vers Emily. Hein. Ok, par Emily, bon, ok, pour retourner à l'exécutif central. On va aller là. Exécutif central, c'est parti. Let's go! On parlera au gars plus tard du coup. Ok. On dit que lui s'est attaqué la centrale, ça pose pas mal de questions. Reparti. Allez. Jessie, bon travail. Et vous avez levé ce verrouillage. Emily? Un mot. C'est parti. Écoutez, Emily... Allez, je dois me lancer. J'ai pas été tout à fait honnête. J'ai un petit frère, Dylan. Quand on était petit, on a trouvé un vieux projecteur dans la décharge d'Ordinary. Les diapos ont créé des portails vers d'autres lieux. Des horreurs en sont sorties. Je m'arrête là. Le reste, je le garde pour moi. Mais on nous a aidés. Dans l'un des portails, nous avons trouvé... une entité. Une entité? Quel genre d'entité? Difficile à dire. Mais ça... Elle nous a aidés. On a réussi à éteindre le projecteur. Les horreurs qui sortaient des portails ont disparu. Après ça... Vous êtes venus pour nous prendre. Moi, j'ai pris la fuite.
Mais ils ont eu Dylan. Je l'ai laissé tout seul. Des agents du bureau ont pris votre frère. Ouais. Vous êtes resté discret. Personne ne m'a cru. Je veux juste retrouver Dylan. J'essaie toujours de le retrouver. Qu'est-il arrivé à ce projecteur? On dirait un autre objet de pouvoir. Je pensais que vous l'aviez pris. Le bureau. En même temps que Dylan. On ne m'en a rien dit. Mais par ici, absolument tout est confidentiel. J'ai consulté les dossiers de l'EAM d'Ordinary depuis la dernière fois. Trench et Darling étaient tous deux impliqués. Une large zone du secteur de confinement lui était réservée. Personne n'en a entendu parler depuis longtemps. Je ne sais même pas s'il reste quelque chose là-bas. Vous pouvez m'en dire plus sur cette entité dont vous parlez? En espérant que vous allez vous entendre. Elle m'accompagne depuis Ordinary. Dans ma tête. Elle m'a menée à vous. Je l'appelle Polaris. D'après l'étoile polaire, est-ce que Polaris connaît le Hiss? Si elle vous a fait entrer malgré le verrouillage, c'est qu'elle est puissante. Ce qui pourrait expliquer vos résultats d'examen. Vos relevés sont incroyables, Jesse. En les comparant à la base de données, j'ai trouvé deux correspondances dans les fichiers confidentiels de Darling. Malheureusement, je ne peux accéder à rien, hormis les codes des fichiers. L'un d'eux est P6, ce qui réfère à un candidat primaire pouvant devenir directeur du bureau. Il date de plusieurs années. Dylan? Est-ce que c'est Dylan? L'autre résultat est quelque chose qu'on appelle polyèdre et qui doit être lié d'une manière ou d'une autre à ces amplificateurs de résonance polyèdre. Tout ce que je sais, c'est que Marshall est allé dans le secteur de recherche pour assurer la production d'ARP après le premier assaut du Hiss. Bon, Marshall semble être notre meilleure piste vers Dylan. Il faut que je la suive. Comment je peux accéder au secteur de recherche? Utilisez ma carte. L'ascenseur de secteur vous y emmènera. Marshall est la prochaine étape. D'après ce que m'a dit Emily sur Ordinary, mes pouvoirs sont liés à des choses appartenant au passé du bureau. Je suis proche de quelque chose. Tu le sens aussi? Quelque chose arrive. On tourne pour faire les visites. J'ai aidé toi, tu as dette envers moi. Plus tard, je vais venir demander de l'aide de toi. Ok. Eh bien, sacrée révélation. Donc on sait maintenant que dans sa tête, c'est une entité. Qu'elle a découvert avec un objet de pouvoir dans l'identité de son frère, Dylan. Et du coup, cette entité, elle l'appelle Polaris. Très bien. Et du coup, apparemment, prochain objectif dans les dossiers, vu qu'ils ont repéré, elle a repéré des trucs dans les dossiers, ça pourrait être Marshall, du coup, qui est une piste pour peut-être retrouver Dylan. Très très bien. Est-ce qu'on a des choses à dire? Est-ce qu'elle a des choses à nous faire apprendre? En plus. Allez. Oui, on en a plein. On en a plein. Elle est venue de Darling. Darling a laissé de nombreuses traces, mais je ne l'ai toujours pas trouvé. Où est-ce qu'il est passé? Probablement dans son bureau, dans la recherche, ou peut-être dans un de ses labos. Le docteur Darling en possède plusieurs dans tout le bureau. Il pourrait se cacher dans n'importe lequel d'entre eux. J'irai bien vérifier, mais je n'ai pas accès à la plupart d'entre eux. Je crois que j'ai touché un point sensible. Vous n'êtes pas admise dans ces labos? Pas tous, non. Certains contiennent des substances dangereuses, ridicules. Tout est dangereux ici. Il aurait au moins pu inventer un meilleur mensonge. Comment je peux travailler si je n'ai pas accès à toutes les données? Mutation de bâtiment. Cet endroit est en constante évolution, pas vrai? Oh, vous avez remarqué les mutations. Vous saviez qu'elles étaient responsables de 39% des accidents du bureau? C'est le cas. J'ai fait les calculs moi-même. Donc, elles sont dangereuses. Oui, très.
Un jour, un requin est apparu dans une salle de réunion avec plus de 7000 litres d'eau. C'était un requin-tigre, l'un des projets de recherche préférés de Darling. J'en ai oublié le but, d'ailleurs. Un requin dans un bâtiment. À travailler. D'accord. C'est vraiment terrain dans ce temps. Hein. Vous disiez être assistante ? Ce n'est qu'un titre. Je suis une scientifique, une vraie chercheuse. J'obéis au docteur Darling. Lorsque des agents du bureau partent enquêter sur des événements d'altération de monde, nous étudions les matériaux et objets altérés qu'ils rapportent. Il s'agit toujours de choses que nous n'avions jamais vues. Et leur étude nécessite de nouveaux instruments, une méthodologie, parfois de nouveaux domaines scientifiques. Émilie aime vraiment son boulot. Vous voyez, il n'existe pas de guide pour ce que nous faisons ici. Tout ce qui arrive au bureau, y compris la science, n'a aucun précédent. Ça, je l'ai vu. C'est quoi, au juste, l'hôtel Ocean View ? C'est une question bien plus vaste que vous ne le pensez. Voyez-vous, je doute fortement que l'hôtel soit un lieu unique. Regardez toutes les portes qu'il contient. Où peuvent-elles bien mener ? Nous savons que l'une d'elles mène à l'ancienne maison, mais comment se fait-il que nous n'ayons pu ouvrir que celle-là ? Peut-être que pour ouvrir une porte, il faut l'emprunter dans l'autre sens. Donc, si chaque porte mène à un différent plan, dimension, réalité, ou ce que vous voulez, l'hôtel est bien la preuve que les univers parallèles existent. Et Darling est d'accord avec vous ? Je ne lui ai encore rien dit. J'attends de pouvoir le prouver. Et les points de contrôle ? Vous pouvez m'en dire plus sur les points de contrôle ? Ce sont des points de liaison des énergies uniques de l'ancienne maison. J'ai écrit une étude de 30 pages qui indique qu'en théorie, nous pourrions siphonner directement leur énergie. Darling a rejeté mon idée avant même d'avoir fini la première page. D'accord. Et est-ce que quelqu'un s'en est déjà servi pour se téléporter ? Quoi ? Non. Physiquement, vous voulez dire ? Non. Pas que je sache. Pourquoi ? Parce que moi, j'arrive à m'en servir pour... Quoi ? Vraiment ? Oh mon Dieu ! Des examens ! Les examens devront attendre un peu, d'accord ? Moi, j'avoue que c'est quand même mignon. C'est juste que... Ça fait revenir en force ma théorie sur les points de contrôle. Je suis ravie. Les scientifiques, mais un peu trop excentriques, c'est des fois. À bientôt. Soyez bien prudente. Ok. Bon, du coup, on a un nouveau accès... On a accès à un nouveau niveau de la concrétisation. Niveau 3, grâce à Emily. Que le Hiss a attaqué la centrale, ça pose pas mal de questions. On va se mettre des capacités en plus. Hein ? À chaque épisode, ça, je pense qu'on va se mettre des trucs. Hein. Clairement. On va se monter un peu ça. Ah, je peux pas. Ah oui, c'est une 6-2 du coup. Enfin, ça, je peux pas. Très bien. Communique, se coordonne. Pourquoi la centrale les intéresse ? Construction astronome. Beaucoup de choses sur la centrale sont. Confidentiel. Ça ne sert à rien de chercher ce qui motive Hiss si on... Ok, déplacement rapide. Du coup, on va retourner à la patenance. On va se diriger vers la centrale RSN. On va parler du coup au gars, comme je l'ai dit, avant de pouvoir continuer dans la suite. Ok, nous voici du coup à la centrale. On va repartir. Reparler à ce petit monsieur. Encore le bouche. Il s'appelait comment déjà ? Le signal du grabuge au niveau du terrain d'entraînement. Pourrait peut-être mieux aller voir. Alors le Hiss. Dis-nous en plus dessus. Qu'est-ce que vous savez sur le Hiss ? Uniquement ce que j'en ai vu. Il utilise les mêmes stratégies que Marshall et Salvador nous ont apprises. Ce qui me laisse penser que le Hiss n'a pas totalement éradiqué ses victimes. Ce qui est peut-être encore plus terrible. Ou bien il utilise ce qu'il trouve dans la tête de ses victimes. En tout cas, il a l'air bien déterminé à entrer dans la centrale. Et pourquoi ça ? Merde, je sais pas quoi. Pour me compliquer la vie, peut-être ? Arish. Vous faites quoi ici, Arish ? Chef de la sécurité du secteur de maintenance. Je m'assure que toutes les merdes qui se passent ici n'affectent pas les équipes de maintenance. J'ai appris tout ce que je sais de Salvador. Le meilleur agent de sécurité que ce bureau ait connu. Vous aimez votre boulot ? Je l'adore. Vous savez, tout le monde voit la maintenance comme le bas de l'échelle parce qu'on répare des tuyaux au lieu de rédiger des mémos, mais
Pour être honnête, ce sont les gens les plus courageux de ce foutu bâtiment. Hein ? Bah moi, je suis fier de bosser avec eux. J'ai déjà travaillé avec ce genre de personnes. Ils disent exactement ce qu'ils pensent. J'aime bien ça. Centrale est récente. Bon, c'est quoi au juste, cette centrale ? Je sais juste ce que m'a dit Salvador. Mais elle alimente tout le bureau en électricité et elle possède deux règles très simples. La première, ne pas dépasser une certaine température. La seconde, ne jamais, jamais l'ouvrir. Ah, et la troisième, c'est confidentiel, donc je dois pas demander. On dirait que les secrets font partie des procédures d'opération standard ici. Ça, ouais. Ça fait partie du travail. Arme de service. Qu'est-ce que vous savez sur l'arme de service ? Pas grand-chose. Elle est réservée au directeur. Salvador m'a parlé de la fois où il a vu Trench s'en servir. On dirait que cette arme peut causer de sérieux dégâts. Par contre, je l'ai déjà vue en photo. Et elle ne ressemblait pas à celle que vous portez. Vous l'avez modifiée ou quoi ? C'est nouveau ? Nouveau dans le bon sens ? Étant donné les circonstances, nouveau, ça me va très bien. Et Hati ? Vous le connaissez, ce type ? Ce Hati ? Bien sûr, c'est mon collègue de pose préféré. Il a des histoires de fous à raconter. Il en sait sans doute plus que n'importe qui d'autre ici, si vous arrivez à piger ce qu'il dit. Vous savez d'où il vient ? De Suède, j'imagine ? Bah, il vient d'où il vient. C'est juste qu'il y a certaines choses qu'il vaut mieux pas savoir. Vous comprenez ? Ok. Faut que j'y aille. Ah, ok. Vous avez un verrouillage à lever. Merci pour ces petites infos. Donc, le cœur des vieux copains, faut trouver Marshall. Recherche par psychologie. Donc là, faut qu'on m'amène dans un nouveau secteur. Et on va aller dans ce nouveau secteur. On va aller. Faut passer par où pour vous aller sur ce nouveau secteur. Je ne sais pas du tout. Ah si, je viens de me souvenir. Faut qu'on récupère l'ascenseur qui était débloqué, je crois. Au niveau de la ventilation, je crois. Je sais plus où c'était. Si, il y avait un ascenseur normalement qui était débloqué. Est-ce que c'est là au moins ? Attendez. Je sais plus du tout où il est. Ah non, c'était en haut. C'était en haut. Donc pour moi. Allez, c'est parti. On va sortir d'ici. Et direction. Tout est ça d'en haut, la maintenance, pouvoir d'accès, etc. Pour accéder, je pense, à la suite. Hop, boum. Parti. Je peux tirer tout. Hop, c'est par là. Centrale maintenant, c'est là. C'est l'espèce qui semblait. Ok. Les trucs explosifs, ça fait plaisir. Changer d'arme. Oh, c'est trop aussi. Où est-ce que tu es, toi? Ah,
réacteur détruit. Très bien. Bon. Direction la centrale de maintenance. Voilà, donc c'était bien ici. Ok. Donc là, on pouvait pas plus y accéder que ça, mais maintenant qu'on est à l'ascenseur, on pourra y aller. Direction ascenseur. C'est parti. Et c'est parti. Corridor. Faut qu'on aille dans le secteur de recherche. C'est parti. Bon, je vous fais une petite coupure pour vous prendre en chargement et puis on se retrouve une fois que c'est fini. Et heureux, c'est, on est dans le secteur de la recherche. Nouvel endroit exploré. Recherche centrale, très bien. Ah, ça j'avais déjà vu ça dans un test. Je crois que c'était dans un teaser et tout. Et avec les arbres et tout, j'ai déjà vu cette scène. Donc je sais qu'il y a des ennemis qui vont bientôt arriver. Vous, monsieur Tomasi. Alors, c'est ici que la magie se passe. Mais bref, je travaille ici depuis 24 ans. J'ai toujours été ici. Au cours de ces années, nous avons fait d'incroyables découvertes, des études d'importance capitale. Et de tous ces travaux, nous savons vraiment une chose, c'est que nous en savons en fait très peu. Mais rassurez-vous, nous sommes déterminés à repousser encore les lois et les limites de la réalité. Et faire la fierté du bureau. Donc, bienvenue. Si vous êtes bien autorisé à voir ceci, vous suivez les protocoles de sécurité et vous lisez le manuel. Sinon, des choses terribles se produiront. Ok, ok, darling. Le secteur de recherche, hein. Le repère des savants fous du bureau, oui. Ouais, ça je suis d'accord totalement avec toi, je sais. Tout est totalement rendu, quoi. Bon, l'objectif, c'est d'aller tout en haut. Très bien. Donc, bah, pas le choix. On va aller dans les escaliers. Ce qui tombe, non, et tout. Bon, on va explorer chaque pièce. Il y a des petits trucs sympas quand même à regarder à droite et à gauche. On va se mentir. Voilà. Plainte contre les plantes. Ici, est-ce qu'on a des choses sympas? Ah! C'était ça le projecteur dont on parlait, non? Attends, attends. 5 points de cité. Ok. Là, on a une salle où on ne pourra pas accéder, j'imagine, tout de suite. On va moins combattre. Hop. On va prendre les escaliers. Pour se mener. Hop, 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 hop. Donc, un peu de marche. D'ailleurs, par contre, je sais pas comment il faut pousser des séquoias, genre dans tout l'endroit. Ah! Ok, nouveau les. Ok, les Tomasi. Oui, Tomasi, niveau 3. Venez, Tomasi. Venez, venez, les Tomasi. Je vous attends. Très bien. Allez, venez, venez, venez. Un de mort. Où est l'autre Tomasi? On va faire tout. On vous a remarqué, maintenant j'appelle ça une Tomasi. J'ai tellement regardé sur ce premier boss du jeu que... C'est obligé de vous appeler comme ça. Je veux pas mettre ça sur les plantes. Ça dégage. Ça dégage. Hop. Hop, c'est bon. C'est mort. Nice. Okay. Ah. On a une sorte de bunker. Enfin, un petit bunker. Donc. Vous connaissez maintenant. Ok. Qu'est-ce qu'on a de beau ici? Une petite caisse. On prend un matériau, ça fait plaisir. Et un résumé de l'urgence. Bon. Ça ne nous avance pas des masses. Sur l'endroit où on veut accéder. On va descendre. Oh, il y a des snipers maintenant! Ah oh oui, on va faire gaffe ça. Ils ont des snipers!
Ouais, c'est pas pour les foutu, hein, pour l'activité. Ah, j'ai plus de munitions. Waouh. Ouais, le chien. Ok. Ça, on est plutôt bien. Ah, c'est mal. Ah, qui m'a... Qui m'a surpris par derrière? What the fuck? Dégage. Merci. Ok. Ça dégage. Et un roquette, ça fait plaisir, nouveau. C'est vraiment agréable de se prendre des roquettes dans la figure. Sniper juice. Oh. Super. Manquait plus que ça. Sniper. On récupère un peu de vie. Voilà, mais bon. Ça, on récupère aussi. De toute façon, j'ai toujours pas trouvé de point de contrôle. Ça me fait peur. J'aimerais bien sauvegarder quand même. Et pour l'instant, je me perds. Donc, on était de base, on était en train de monter. Donc, on va monter d'abord. Hein. Par ici, on va voir ce qu'il y avait en haut. Hop, let's go. Dr. Darling Office. Ok, donc là c'est le bureau du Dr. Darling, Dimension Research. C'est pas pareil que j'ai rien pour l'instant. C'est pas le même plus. Si, si, c'est plus là, je crois. Ah, donc c'est Fall là qui t'enregistre toutes ces vidéos. Ça va être très bien. Un boulier. Demande d'en utiliser. Non, Astral. Bon, lui, ouais, je vais regarder un petit moment pour que je puisse lire tout ça dans la vidéo. Cette vidéo, là, peut-être la prochaine, on verra. Je fais des petites pauses. Pour que je puisse lire tout ça. Là, il y a rien de spécial, on va apporter des infos aux arines. Ok. On va descendre, du coup ça apparemment c'est en bas. Attendez. Ça a l'air d'être tout en bas. Ouais, on va descendre. Si on descend. Là il y avait un spécial. Ah si j'ai oublié un truc. Là c'est bloqué, on va y accéder. Ok. Donc aussi en bas. Si on va. Ah! Qu'est-ce que c'est que tout ça? Ok, étrange. Là, il n'y a pas de point de contrôle, évidemment. Ça, c'est trop beau. Il y a une porte là. C'est le café, il y a des trucs sympas à voir. Petite musique. Nice. Ah, tiens. Encore un dossier. Hubert Tanis de piano. Ok. Bon, ça me mène. Je suis perdu, je vous avoue. Toilette, très bien. Les petites caisses sympas à récupérer. Non, en particulier. Ok. On va jouer pour les femmes. Non. Pour les femmes, moi. Ah non, c'était les hommes. Est-ce
que c'est par là-bas? Ah, par là-bas, nouveau bunker. Ouf, il y a un camouflage ici. Nouveau bunker, on va prendre ça. Ok, on prend ça. Bon, en tout cas, dès qu'on a trouvé un point de sauvegarde, on s'arrêtera là pour cet épisode. On a eu pas mal de révélations, ouais, c'était cool. Avec le fait qu'on apprenne que c'est une entité en fait qui est dans sa tête. Un peu comme j'ai vu un commentaire sur le premier épisode, comme Beyond Two Souls, si vous connaissez le jeu. Un peu dans le même état d'esprit. Bon, par contre, je veux accéder à l'objectif et je ne vois pas où c'est. Je sais pas du tout où c'est, je vois pas. Est-ce qu'il y en a une sœur? Je sais pas, je suis perdu. Je suis perdu. Bon, je vous fais une coupure et puis je vous retrouve dès que j'ai trouvé la fameuse salle objectif. Ok, je crois peut-être avoir trouvé le chemin. Le chemin était ici. Ouais. J'ai peut-être finalement réussi à trouver le chemin, regardez. Regardez, en fait, le passage qui mène là-bas, c'est bloqué par ça. Et du coup, je pense qu'il va falloir qu'on trouve un nouveau pouvoir ou un truc dangereux pour pouvoir enfin détruire ces trucs. Ce qui nous empêche d'accéder à ces caméras. Bon, est-ce qu'on peut pouvoir genre foncer dans le... Non, bah non. Bon. Bon, je crois que je vais m'arrêter là comme ça. Je regarderai si je trouve un point de contrôle en off et on se reprendra là au prochain épisode. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Et puis, bah, on se retrouve justement pour l'épisode 6 très prochainement. À bientôt!